Dans cette vidéo, on va voir la définition du produit matriciel de façon formelle. Par exemple, ici, on a une matrice 2 par 3, qu'on multiplie avec une matrice 3 par 4. On sait que le résultat final devrait être une matrice 2 par 4. Imaginons qu'on voudrait calculer l'élément à la position 2, 3. Il faudrait tout simplement utiliser la deuxième ligne de la première matrice ainsi que la troisième colonne de la deuxième matrice. Et on calcule moins 1 fois 6 plus 5 fois 0 plus 2 fois 1 qui nous donne moins 4. Maintenant, imaginons qu'on voudrait faire le même calcul, mais avec, une, avec deux matrices générales. Encore une fois, on voudrait calculer l'élément à la position 2, 3. On devrait donc faire le calcul suivant A21 fois B13, plus A22 fois B23, plus A23 fois B33. Qu'on peut écrire aussi sous forme simplifiée avec le symbole sommation, c'est-à-dire sommation de k égale à 1 jusqu'à 3 de A2k fois Bk3. Maintenant ce qui nous intéresse c'est de généraliser le résultat qu'on vient de trouver. Donc autrement dit, on voudrait avoir la définition formelle avec deux matrices quelconques. Donc par exemple une matrice A M par P et une matrice B P par N. Ici le P c'est le même, c'est normal parce qu'on sait que pour une matrice pour que le produit matriciel soit bien défini, le nombre de colonnes de la matrice A doit être égal au nombre de lignes de la matrice B. On sait que le résultat final qu'on va obtenir, la matrice A fois B va être une matrice M par N. Et l'élément à la position IJ va être donné par l'expression AI1 fois B1J, plus AI2 fois B2J, plus trois petits points, AIP fois BPJ. Ce qui nous donne ceci, avec le symbole sommation, on obtient ceci. Faisons un autre exemple pour s'assurer de la compréhension de cette définition. On prend une matrice 3 par 4 ainsi qu'une matrice 4 par 5, on les multiplie ensemble, et ici on aimerait avoir l'élément à la position 2, 4. Refaisons un autre exemple. Cette fois-ci, on va faire disparaître la matrice et on va essayer de faire le calcul, par exemple, pour l'élément à la position 3.1 de la matrice A fois B. Le résultat qu'on devrait obtenir devrait être le suivant. Ce qui est le plus important à retenir, c'est qu'ici on a l'élément à la position 3.1, et dans la sommation on a l'élément à la position 3 k et l'élément à la position k 1 de la matrice B respectivement. Et on se rend jusqu'à 4 dans la sommation. C'est normal parce que la matrice A est une 3 par 4 et la matrice B une 4 par 5. Le 4, c'est normal qu'il soit le même parce que pour que le produit matriciel soit défini, le nombre de colonnes de la matrice A doit être égal au nombre de lignes de la matrice B. Dans cette vidéo, on a donc vu comment faire le produit matriciel de façon formelle à travers deux exemples. La chose la plus importante à retenir ici, c'est que l'élément à la position IJ de la matrice A fois B est donné par la sommation de K égale à 1 jusqu'à P de AIK fois BKJ. Merci pour votre écoute.